Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va à la coccinelle. C'est parti, générique! Bon les amis, on va aller faire le train de la mine. C'est parti! C'est parti, on est dans le train de la mine, petite attraction, un petit coaster tranquille à la coccinelle, à l'attraction qu'on est aujourd'hui en visite. On va s'accrocher quand même hein, parce que tu sais comment que je suis pas trop fan des coasters, mais voilà, c'est cool. Maintenant on va voir comment ça se passe. Est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça se passe pas bien. En général, vous savez, je suis toujours en PLS, mais là ça devrait le faire. Deux tours en fait, c'est pas un tour, c'est deux tours. Allez, ça va démarrer, c'est parti. On se tient quand même. Hein. Allez, let's go! Un petit PLS ou pas? Allez, c'est parti pour la montée. On va prendre les sensations en plus parce qu'on est quasiment en fait au fond du train. Donc on aura des sensations. Attention, la descente les amis, attention ça accélère. Oh, oh putain elle est bonne. Premier tour réussi, on va bientôt démarrer le deuxième tour. Heureusement je me suis accroché quand même, j'y attendais pas, mais c'est vrai qu'on est au fond, et en fait au fond ça envoie un petit peu. Ouais, deuxième tour. Deuxième tour les amis, on est reparti pour le deuxième tour. Excellent. Ça envoie quand même quand ça descend et tout, mais excellent. Donc les amis, la coccinelle est un parc d'attractions et animaliers situé à Gujan-Mestras et c'est en Gironde. C'est un parc arboré et végétalisé. En 1985, ils étaient le premier parc d'animaux domestiques en Europe. Donc il y a une vingtaine d'attractions. My appetite, don't leave me here high and dry. Oh.
You're chilling with the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me alone. Les amis, à la coccinelle, sachez qu'il y a une petite mini-ferme où ils donnent des biberons aux bébés animaux. Et ça, c'est juste extraordinaire. Vous avez tous les horaires qui sont juste indiqués derrière moi avec les animaux auxquels bah, les biberons sont donnés. Et ça, c'est vraiment fabuleux parce qu'en fait, c'est un parc d'attractions avec une mini-ferme. J'ai l'impression que c'est plus interactif qu'un zoo parce qu'en fait, vous avez la proximité des animaux. Et vous voyez, on n'est vraiment pas loin en fait. On peut les caresser. Et plus doux, plus gentil. Bienvenue au parc de la coccinelle. Pour l'animation, ça va être très simple. On a 9 agneaux, on va essayer de séparer un agneau par barrière. Donc je vais d'abord demander aux enfants de se coller devant les barrières, toujours à l'extérieur, et de se rapprocher des barrières. C'est bon? Voilà, merci. Pour les enfants, ça va être très simple, je vais vous donner les biberons, enfin mes collègues et moi bien sûr, avec les agneaux. Vous allez bien les tenir avec les deux mains. Je veux voir les deux mains sur le biberon, la tétine vers le bas. Ne surtout pas relever le biberon, parce que si vous relevez le biberon, le lait va couler par terre et l'agneau va partir, il va aller embêter un autre. Allez, c'est vers ici parce qu'il y a assez de monde. Tac, viens avec tes deux mains, j'ai dit tes deux mains, faut pas avoir peur. Ici, allez, avec tes deux mains.
Bon les amis, on est toujours à la mini-ferme, on est toujours au parc de la coccinelle et c'est juste incroyable parce qu'en fait du coup vous avez vraiment les animaux un peu partout. Vous pouvez donner les biberons et tout aux animaux, regardez ici les petits veaux qui sont juste là et c'est vraiment incroyable parce que du coup si vous avez des enfants, vous allez pouvoir venir avec votre enfant et vivre une expérience inédite parce que du coup votre enfant va pouvoir donner à manger aux animaux. Bien sûr il y a des horaires, on vous affichera les horaires dans la vidéo mais c'est vraiment magnifique, magnifique et il y a toutes sortes d'animaux. Que dire de plus? Magique. On a pris une petite assiette, nuggets, frites, hein, comme d'habitude, vous voyez, c'est une petite portion. Bon, j'ai pris un petit coca. Si c'est facile, le dessert, je ne le prendrai pas maintenant, je prendrai une petite glace à l'italienne. Alors, il propose à la carte, ces secteurs, une cuisse de confit de canard avec des frites. Miam, 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 je sais, donc pour un parc animalier, je suis une cannibale, mais j'ai pas su résister. Bon les amis, une petite glace à l'italienne comme dessert, ça fait toujours du bien. Excellent. Trop bon. Allez, c'est parti les amis. On va monter... dans un petit toboggan. Allez les amis, c'est parti. Les amis, on est dans la coccinelle. On monte un petit peu, pas trop, parce que comme vous le savez, moi je suis pas trop fan. Ça rentre doucement, doucement. Avec de mon pouce. Câlin? Câlin ou pas? Fais un câlin? Tu peux faire un câlin? Fais un câlin? Allez, je vais faire un câlin, toi. Oui. Oh oui, toi, tu vas faire un câlin, toi. Oui. Celui-là, je n'ose pas trop le toucher, t'as vu les cannes qu'il a. Oh non, mon bébé. Oh là 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 là. Papa rêveur, il est un peu trouillard. Oui, mon bébé. Bah, t'as mis ta main quand il a pas vu. Hein. Soleil. Putain, ils ont des oreilles incroyables. J'avais jamais vu des cochons aussi près. Regarde l'oreille, elle recouvre l'œil en fait. Bien ouais. Heureux comme un cochon landais. We'll be right back.
l'heure, juste ici. Boudeur casse-pied, mais adorable. Pourquoi venir à la Coccinelle? Pour partager de merveilleux moments en famille, pour émerveiller ses sens et ceux de vos enfants, pour avoir des montées d'adrénaline, pour se reconnecter à la nature et aux animaux, et pour se détendre et profiter des activités. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. On se dit à bientôt.